Chez Monsieur Dev. C'est promis. Mais avant, on remonte toutes les horloges de la maison. Mon fils chéri va enfin rentrer à la maison, retrouver les siens après tant d'années. Vous savez, les remonter ne fera ni avancer le temps plus vite, ni revenir votre fils plus vite, mère. Je sais, Kumud. Seulement, j'ai le cœur qui bat si vite. Je me demande quand le jour finira, quand la nuit tombera enfin. Hey, Chalia, chérie, regarde, je t'ai fait des gâteaux. Cher Sumitra, tu tombes très bien. Sumitra, le chic pour toujours bien tomber, quoi qu'il arrive. Hein? La preuve, vos gâteaux sont célèbres dans tout le village. Non, mais tu l'entends. Laisse-la dire. Devine qui va venir. Ne me dis rien. C'est Monsieur Château Padilla. Oh! Que t'es bête! Tu vas pas me croire. Ma tempête revient. Mon Devdas est de retour. Non, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Durga, sois loué. Quel bonheur. Je suis contente pour Merci. Toi. Tu te rends compte que ça fait 10 ans que je n'ai pas revu mon fils. De quoi aura-t-il l'air? Sa voix aura-t-elle changé? Comment va-t-il m'appeler? Et cette nuit, comment vais-je pouvoir y survivre? C'est drôle. Je ne veux même pas cligner des yeux, de peur qu'il n'arrive, juste à cet instant. Comme je te comprends. Je revois encore Devdas quand il était tout petit. Il venait souvent chez nous et il passait la tête par la porte et puis il disait « Tante Sumitra, par où est là ?» Ça y est, la voilà qui nous refait son cirque. Et tu te souviens des fois où Dev s'en allait bouder quelque part et que j'envoyais Paro à sa recherche? Ah oui, et il se retrouvait près des goyaviers. Et Danda le ramenait par l'oreille. Ses enfants s'adoraient. Ah ça oui. Et tu te souviens du jour où tu as envoyé Devdas faire ses études à l'étranger? Elle s'était mise à courir comme une folle après la calèche, ma petite Paro. Et oh, Devdas! En dépit d'un soleil brûlant, et malgré le sol plein de pierres qui lui écorchaient les pieds, elle continuait à courir comme une folle en hurlant. Je veux partir avec Dev à l'étranger, maman. Avec Dev. Tu as complètement perdu la tête ou quoi? Moi aussi, je dois aller à l'étranger avec Dev. Ça suffit, tu te calmes.
Comment aurais-je pu l'envoyer si loin? Ma toute petite, mon enfant. La pauvre devait 3 roupies à Devdas. Laisse-moi partir, je dois 3 roupies à Dev. Laisse-moi partir, je dois faire 3 roupies. On dit que l'être cher revient vite si on garde allumée une lampe pour lui. Ça fait 10 ans qu'elle garde cette lampe allumée pour Devdas. Pas une seule fois, elle ne l'a laissée s'éteindre. Je vais la prévenir qu'il arrive. Elle va être heureuse. Elle va être tellement heureuse. Oui, Mitra, va vite. Votre fils revient, et pourtant c'est elle qui se réjouit le plus. Et alors? Après tout, c'est notre voisine. Et Paro et Devdas sont des amis d'enfance. Mais leur enfance, elle est terminée. À présent, ce sont des adultes. Un peu de gâteau. Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Que se passe-t-il? Manorama, où est Paro? Où croyez-vous qu'elle soit, sinon dans sa chambre, en train de parler à sa lampe? Pas à sa lampe, à Devdas! Oh, Durga, pauvre de moi! Qu'est-ce qui se passe, ma tante? J'ai pour elle une nouvelle qui va la remplir de bonheur! Et quelle nouvelle, tante Sumitra? Paro, Devdas est rentrée! C'est vrai? C'est vrai! Devdas est de retour! Ils sont tous en train de se préparer à l'accueillir là-bas. Kaushalya perdrait presque la raison. Toute la maisonnée déborde de joie. Comment tu pleures? Prends garde, idiote. Que tes larmes n'éteignent la lampe avant l'arrivée de Dev. N'ayez crainte. Aucune force au monde ne peut éteindre cette lampe. T'en es bien certaine? Et si on mettait à l'épreuve cette étonnante lampe? Sila ye chahat ka na main.
C'est moi qui vais accueillir mon fils. Une minute, attendez, pas si vite. Je veux voir Devdas la première aujourd'hui. Oh, alors vous allez fermer les yeux. Mais moi qui étais si impatiente. Faites-le pour moi, allez. Ça ira comme ça. Ça y est, il est là. Et bien, comment est-il, tu l'as vu ? Ce n'est pas croyable ce que le monde a pu changer. Hier encore, je portais mon petit Dev sur mes épaules. Oui. Et maintenant, on a la même taille. Quand vous le verrez, vous n'en croirez pas. Ne faites pas languir davantage. Dis-moi où il est. Ah, il est descendu en chemin. Il a dit qu'il voulait d'abord voir sa chère Paro. Non, n'ayez crainte, il ne va pas tarder. Il est arrivé. Mon Dev est arrivé. Quel dommage, vous qui vouliez être la première à accueillir Devdas. Mais c'est Paro qui a cette chance en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Paro? Je crois que Dev est là. Devdas! Comment vas-tu? Bien? Entre, mon fils, entre, sois le bienvenu. Tu as vraiment l'air d'un gentleman anglais dans ce costume. Nous avions hâte de te revoir. Et ta chère mère t'attend avec impatience aussi. Où est Paro? Elle était là à l'instant, je ne sais pas où est passée cette idiote. Elle n'a pas arrêté de dire quand Dev sera là, on se chamaillera, je le taperai, je le grifferai. Et maintenant que tu es enfin là, elle se cache à l'étage. Hé, hey, Paro! Je peux monter? Oui, mon fils. C'est ça, vas-y, monte la voix. Ça va, Paro? Tant de jours sont passés et tu ne veux même pas me voir? Deux jours? Pour toi sans doute, mais pour moi, quelques 10 ans, 6 mois, 4 jours et 12 heures. Nous ne t'avons jamais manqué? Si, bien sûr. Menteur, à peine 5 lettres en 10 ans. Il y a 4 saisons dans une année. Tu aurais pu écrire au moins une lettre à chaque saison. Je vois que tu parles avec sagesse.
Tu as grandi, Paro. Le ruisseau qui est face à la mer ne tarde pas à devenir fleuve. Alors pourquoi refuses-tu de montrer ton visage? Ce serait comme de revoir la lune après toutes ces années. T'en aurais le souffle coupé. Tu es plus vaniteuse que la lune. C'est normal. Elle a des cicatrices et moi pas. Eh bien, tant pis. J'attendrai que la lune se lève pour voir ton visage. On verra ce qui me coupe le souffle. Le clair de lune ou ta vanité. Paro. Je ne peux tolérer que quelqu'un d'autre te touche. Chalia, regardez, Dev est arrivé. Faites-le entrer. Vous n'allez pas faire la tête. Mais je ne tiens pas à lui parler. Dites-lui de s'en aller. Mais, maman... Je viens de te dire que je n'ai pas envie de maman. Lui... Maman... Je refuse de voir ton visage. Mais... Pourquoi? Qu'a-t-il comme défaut pour que ni vous ni Paro ne vouliez le voir? Nous t'attendons depuis 10 ans. Et qui t'accueille? La voisine. Va-t'en, retourne chez ta Paro. Vous n'allez pas ouvrir les yeux? Non, n'écoute pas. Même pas pour voir mon visage? Très bien. Je m'en vais alors. Oh non, attends! Mais où vas-tu, Dev? Oui, restez avec nous. Pourquoi l'avez-vous laissé filer? Je plaisantais. Moi aussi, je plaisantais. Dev! Quand tu es parti, tu étais ma tempête. Et tu reviens grand avocat. Mais tu es toujours aussi taquin. Et père, où est-il? Ton père est au tribunal. Une affaire très urgente. D'accord, je vois, je vois. Tous les jours, on se plaint. Aujourd'hui, Paro et Def ne sont pas allés à l'école. Aujourd'hui, on a surpris Def fumant le hookah. Il a traîné toute la journée dans le village avec cette Paro. Tu ne resteras pas un instant de plus dans cette maison. Fiche le camp! Mon père était sorti quand je suis parti. Je reviens aujourd'hui. Il n'est encore pas là. Mais c'est aujourd'hui, Dev, que les autorités anglaises vont l'anoblir. Je vois. Il va être très heureux de te voir. Ah oui? Il va être très heureux, mais au tribunal. Chez les miens, lorsqu'un fils rentre chez lui après tant d'années, mon père se fait une joie de l'accueillir à bras ouverts. Ça se passe comme ça aussi chez nous. Devdas! Viens m'embrasser! Chère grand-mère. Viens, mon grand! Je t'avais demandé une jolie montre de l'étranger, tu te souviens? Tu en as rapporté une? Non. Mais j'apporte du bonheur. Mais regarde donc. Non, de ce côté. Et où il est passé? Ah bon? Oui, et là-bas, les gens n'utilisent que du papier et parfois pas de papier du tout. Alors j'ai évité de serrer les mains. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu observais Devdas? Tu le trouves comment? Je ne vous le dirai pas. Dis-le-moi, voyons. Tu le trouves comment? Je le trouve moche. Et qu'est-ce qu'il a dit en te voyant? En fait, je ne lui ai pas montré mon visage. Tu le jures sur ta mère? Je le jure. Il doit se languir, le pauvre chéri. Tant pis pour lui. Ne le fais quand même pas trop souffrir, ou il viendra à notre porte, comme quand il était petit, et demandera « Tante Sumitra, Paro est là ?» Il ne me verra qu'à la lueur du clair de lune. Thank you.
इस दिल पे छा रही है आंखों के रास्ते से इस दिल में troisième et dernière carte, j'ai gagné. Oh non, quelle guigne. T'as vu ça? J'ai perdu d'un cheveu. Avec toi, c'est toujours d'un cheveu. Laisse courir, Kumud. La prochaine fois, ce sera lui qui perdra. Impossible, chère belle-sœur. C'est mon jour aujourd'hui et je suis le seul à pouvoir gagner. Tiens, voilà Paro. Elle non plus, elle ne peut pas gagner. Vous voulez parier? Ne pariez pas. Elle risquerait de nous ruiner. Alors, Paro, qu'est-ce que c'est que ça? Des gâteaux, faits par maman. Pour Devdas. Oh! Où est-il en ce moment? Où est-il? Où est Devdas actuellement? Et où veux-tu que le gentleman de Londres soit si ce n'est dans sa chambre? Les jumelles dirigées vers l'Angleterre! Vous avez vu, mère? Avant, elle nous saluait en premier. Mais aujourd'hui, elle est montée directement voir Devdas. Il nous arrive un petit peu trop de gâteaux chez Sumitra. Qu'est-ce que la lune vient faire sur Terre? Te couper le souffle. Que fais-tu? Je vois si j'ai vu juste. Alors? Je n'aurais pas pu faire d'erreur. Pourquoi? Je te connais depuis l'enfance. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Un plat. Ça, je le vois. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un prétexte. En forme de gâteau. Regarde dedans. Il n'y a rien. C'est pour ça que c'est un prétexte, idiot. Oh! Eh bien, dis-moi, quel caractère! L'exemple même du sale caractère. Tu n'as pas changé du tout. Toi non plus. Tu n'as pas changé. C'est-à-dire? Tu es provinciale. Ah, on doit tous paraître provinciaux. À quelqu'un qui rentre de Londres. Au fait, je suppose que Londres est une très grande ville. C'est une ville unique. Tout y est grand. Les hommes, les discours, les rues, les immeubles. Il y a Trafalgar Square. Pigeons. Des pigeons. Le palais de la reine. Plein de gens et d'animations un peu partout. Do you know, Paro, les Londoniens apprécie ce monde bien à eux. Et toi? Of course. You are so silly. Tu es trop gentil. Mais dis-moi, Dev, tu n'as jamais éprouvé de la nostalgie? Jamais. Non, absolument jamais. Sauf parfois quand j'étais au restaurant et que la cuisine de maman me manquait. That's it. Quand on me criait dessus à Londres. Ça me rappelait... père,
sinon personne d'autre. Quelquefois, je pensais à Daranda en me baladant en calèche. Et les nuits d'insomnie aux caresses de grand-mère. C'est tout. Dev et... Et quoi? Moi? Jamais, non. Ou si, une fois, peut-être... non. Jamais tu ne m'as manqué, Paro. Jamais, Dev? Jamais, tu es sûr? En général, on se rappelle très bien ce qui est important. Et tu n'es pas importante. Tu as raison, Dev. Il n'y a que toi qui compte. Oui. C'est pourquoi 5 fois par jour, je lisais, Dev, tes 5 pauvres petites lettres que tu m'as envoyées. D'après toi, combien de fois je les ai lues en 1 an? Voyons. Et en 10 ans? Si on multiplie d'abord par 2... 18 250 fois. Tu comptes tellement pour moi, Dev, que j'ai maintenu pendant tes 10 ans d'absence une flamme allumée pour toi. Depuis combien d'heures brûle-t-elle, à ton avis? Si on fait le calcul, ça fait... 87 600 en tout. Tu comptes même tellement pour moi que tu m'as manqué à chaque seconde. Combien de secondes y a-t-il dans un jour, Dev? Je vais te le dire. Minute... Tu es mauvais en calcul. Hey, tu sais par où? Il y a eu des heures où j'ai beaucoup pensé à toi. Quand? À chaque fois, en fait, que je respirais. Oui. Il y a certains souvenirs qu'on peut oublier, mais pas l'essentiel. Tu as additionné les secondes pour montrer que tu pensais à moi, sans te dire que je pensais à toi chaque seconde. Tu as allumé la lampe, mais c'est moi qui me consumais. Idiote. Devine un peu à quoi je suis en train de penser depuis un moment déjà. Je dirais que tu penses à deux noms, Paro et Devdas. Hé, hey, monsieur le propriétaire, comment avez-vous deviné? Kumud m'a dit que Dev et Paro recommencent leur cirque. Ils se regardent à la jumelle des heures. Elle vient ici, sans arrêt, sous prétexte d'apporter des gâteaux. Ça ne me plaît pas du tout. Quant à Sumitra, elle ne rêve que de marier Devdas avec sa Paro. Les rêvasseries ne se réalisent jamais. Neil Kant, lorsqu'il a épousé une actrice, a perdu tout crédit. Franchement, dois-je nouer des liens avec ces gens et couvrir de ridicule les miens? Vous avez tout à fait raison. Mais vous connaissez Sumitra. Elle parle à tort et à travers. Et si elle propose une telle union, que lui répondra-t-on? La réponse serait non. Et pourquoi elle serait non, selon toi? Pourquoi? Ils sont d'un rang supérieur. Et en plus, Sumitra, notre toit fuit. Où ça? Sumitra. Nous avons changé d'adresse même pour la poste. Ah oui? Oui, maintenant c'est Nilkant Chakravarti, manoir en ruine. Idiot. Qu'est-ce qu'il manque à notre fille? Je me demande bien. Elle est instruite, elle est belle comme un astre. Si on annonçait que Paro est à marier, des dizaines de garçons accourraient avec de l'argent. Tu crois? J'en suis certaine. Tu t'inquiètes beaucoup trop pour elle. Un jour, c'est eux qui nous inviteront. En attendant, je te laisse méditer. Moi, je vais dormir le cœur léger. Hé, hey, monsieur le propriétaire, vous avez vu ça? Votre vieux manoir tombe en ruine. Je me suis cassé le dos. Quelle merveille! Ils sont pour moi? Ils sont tous pour moi? Tu me donnerais un petit-fils et moi rien du tout. Grand-mère sort son trésor. Pillez dedans, belle-sœur. Je suis d'accord. À celui-ci. Il est vraiment très joli. Il faut que je le mette tout de suite. Non, non, il n'est pas pour toi, ce bracelet-là. Mais pour qui alors? Il est pour celle qui épousera Devdas. Faites voir.
Très bien. Donnez tout à la femme de Devdas. Moi, je ne veux rien. Kumud ! Quoi, Kumud ? Je suis la première belle-fille et on se soucie d'une inconnue. Tenez, belle-sœur. En voici un joli. Il vous ira à ravir. Chez nous, ce sont les servantes qui portent des bracelets de ce genre. Dans ce cas, prenez-vous pour l'une d'elles et portez-le, hein, grand-mère? C'est ça. Me voilà servante dans cette maison. De toute manière, mon beau-frère en a toujours eu après moi. Et vous, vous faites, chère belle-sœur, une montagne de rien du tout. Je plaisantais. Je ne me marierai qu'avec votre accord. Je ne peux pas supporter qu'on me ridiculise. Tu ne devrais pas la taquiner, voyons. Et vous aussi, grand-mère, vous auriez dû lui dire oui, ne serait-ce que pour lui faire plaisir. Vous savez comment elle est. De plus, elle est enceinte. Et maintenant que vous l'avez fait pleurer, il faut que j'aille la retrouver. Même si on plonge une feuille de nîmes dans du miel, elle garde son goût amer. Dis-moi, comment le trouves-tu? Il est comme vous, magnifique. À qui le donneras-tu? Vous voulez voir? Tenez. J'en fais quoi? Regardez à travers. Le bracelet sera pour celle que vous verrez. Attendez, attendez une seconde. Mais viens, monte, Soumitra. Allez, c'est bon, on peut y aller. Ah mince, Soumitra. Au revoir. C'est à elle que tu l'offriras, tu es fou. Moins que vous le croyez. Regardez un peu plus haut. Là. Là, c'est Parvati. Jolie, non? Sans doute, mais je la vois tous les jours. Mais aujourd'hui, regardez-la comme une belle fille. Oh, la coquine! Qu'est-ce qu'il y a? Elle nous regarde en douce avec ses jumelles. Elle va se cacher. Je pense qu'elle a dû être gênée en vous voyant. C'est ça, oui. En fait, c'est avec des jumelles que vous communiquez. Oui, grand-mère. Et là, maintenant, regardez-la. Dites-moi ce qu'elle fait. Oh my God! La coquine! Elle est en train de nous regarder du coin de l'œil. Elle s'est sauvée. Alors toi aussi, tu t'es sauvée pour aller la rejoindre? Quel garnement! Alors, belle-mère, je me fais une montagne de rien du tout. Eh bien, on va voir ce qu'on va voir. Eh oh, mère! Mère, vous êtes là? On t'a surprise en train de nous épier à travers tes jumelles. Toi aussi, je t'ai surpris. Oui, et pour que ça me serve de leçon, on m'a chargé de te punir. Pour toi. C'est quoi? Un cadeau. C'est à toi de le glisser à mon bras. Avant, faut que t'enlèves les autres bracelets. Idiot. Mais... laisse tomber. Et dis plutôt, Dev, où est Londres? À l'ouest. Et où se couche le soleil? Par où? À l'ouest, bien sûr. Est-il vrai que là-bas, le soleil se couche 5 heures plus tard? Oui, en effet. C'est pour ça que t'es si loin à comprendre, alors? Oui, hein. Quel balourd tu fais. En plus, tu n'es même pas fichu de m'enlever mes bracelets. Comment veux-tu m'en mettre un? Baby, 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 baby
Et voilà, belle-mère, comment un amour d'enfance devient une passion à l'âge adulte. Jusque-là, ce Mitra nous faisait des gâteaux. Il est temps que nous lui répondions. Dis-lui que nous l'invitons. Sa fille est en âge de se marier. Oh, arrête, qu'est-ce qui te prend? C'est vrai, ça, qu'est-ce qui me prend? Mère, qu'est-ce que vous avez? Ta mère est devenue folle alliée. Oui, je suis folle. Folle de joie, car je ne ferai plus ce rêve. Ce rêve qui n'a pas cessé de me hanter. Et tu veux savoir pourquoi? 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 Car il vient enfin de se réaliser. Mère, de quel rêve s'agit-il? Je vais te le dire. Je suis invitée au palais. Au palais, pour une fête. Je sais qu'Oumoud attend un enfant. Mais ce n'est pas tout, cher Paro. Kaushalya demande aussi à me parler. Elle dit que Paro est en âge de se marier et qu'il serait peut-être temps d'y songer. Oh, mère! Oui, Paro. Du vermillon dans les cheveux et des rêves pleins les yeux, tu entreras dans cette maison. Tu t'avanceras à pas feutrés avec ton voile sur la tête. Et nous nous mettrons tous à danser au son des grelots de tes chevilles. Alors, monsieur le propriétaire, tu me trouves comment? Et Paro, où est-elle? Elle ne vient pas avec toi? Elle a attendu cette soirée si longtemps. Et juste au moment où tout est prêt et que l'heure est venue de partir, elle s'enfuit vers le lac et fait sa timide. Pourquoi? Parce que cette sotte a peur que je parle devant elle de son mariage avec Dev. Mieux vaut éviter d'aborder le sujet directement. Ils ont jusqu'à 7 heures pour en parler. Après, s'ils n'ont rien dit, alors c'est moi qui en parlerai. Cesse donc de te faire du souci. La réponse ne peut pas être non. Bénis-moi. Les invités sont tous là et Soumitra n'est pas encore arrivée. Elle doit être en train de rêver au mariage de Paro et de Devdas. D'ailleurs, Kumud, j'ai pensé pour Paro un excellent parti. Qui donc? Monsieur Chateau Padiaya du village voisin. Oh non! Kaushalya! Mes félicitations, toutes mes félicitations pour votre petit-fils, ma sœur, je suis si heureuse Soumitra, pour vous. Soumitra, il n'est pas encore né, on a le temps. C'est vous qui le dites, il reste tout au plus 2 mois. Bientôt la maison résonnera de joyeux cris d'enfants. Et je ne vous appellerai plus alors sœur, mais grand-mère. Et toi, marie bien vite ta fille Paro, et je ne t'appellerai plus Soumitra, mais grand-mère. C'est justement de ça que je venais vous entretenir. Moi aussi, il fallait que je te parle. On dit que chez vous, on donne les filles en mariage contre de l'argent. Non, ça c'est une très vieille tradition. Nous ne demanderons rien pour notre fille. Alors c'est entendu. Nous marierons ta fille et nous réglerons toutes les dépenses. Après tout, c'est un peu notre fille. Ah non, non, ma sœur. Marier sa fille est le rêve de tout parent. Quant aux dépenses, nous les partagerons. Eh bien, marché conclu, Soumitra. Alors c'est oui? Alors c'est oui. Vous serez donc l'invité d'honneur de cette assemblée, Soumitra. Offrez-nous donc une danse qui éblouira l'assistance. Ah non, non, je ne peux pas. Et pourquoi pas? N'étant pas comédien et danseur de théâtre dans ta famille, dans le temps. En effet, mais il y a bien longtemps de ça, maintenant c'est fini. Non, non, Soumitra, il n'y a pas de mets qui tiennent. Ce soir, vous chanterez et danserez. Oh non, 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 je ne pourrai pas. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tu n'auras qu'à imaginer que tu chantes et danses pour le mariage de Paro. Je ne peux pas refuser dans ce cas. Je vous danserai la race Léla, comme jamais on ne l'a fait. Thank you.
que la tierra está. रात की जवानी पे चांदनी का पहरा था. Fais-tu? C'est la marque de l'alliance. De ma fille et de votre fils. De Paro et de Devdas. Où es-tu la tête, Sumitra? Si j'ai pris la peine de vous inviter, Paro et toi, c'est pour que vous divertissiez les invités en dansant ensemble. Mais toi, tu veux accaparer l'attention. Tu as vu, Kumud? C'est toi qui avais raison. Sumitra arrive toujours à point nommé et elle profite comme personne de chaque situation qui se présente. Petite, sa fille venait voler des goyaves dans notre jardin. Et voilà que maintenant, elle a des vues sur Devdas. Non, chère sœur, ce n'est pas vrai, je t'assure.
Devdas et Paro sont des amis d'enfance. Ils s'aiment et ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Ta famille étant très nombreuse, tu as pu ne pas le remarquer. Mais ils ont du désir l'un pour l'autre, je le sais. Alors ma sœur, ne t'oppose pas à cette union. Et si cela veut dire qu'il faut qu'on cesse de se voir, j'y consens. Si une eau est croupie, peu importe dans quel seau elle a été puisée. Car vois-tu, bien que tu aies cessé d'exercer tes talents, tu restes une danseuse. En tant que propriétaire, on mange du poisson sans doute, mais on évite d'avaler les arêtes. Vous n'êtes que des voisins et de rang inférieur. Et puis tu es d'une famille de comédiens, et même si on oubliait l'infériorité du rang, tu as pensé à ta réputation? Je te préviens, n'essaie pas de nous refiler ta mauvaise pièce, Sumitra. Allons, chère mère, ne vous énervez pas, je vous en prie. Devdas, on pourra toujours le raisonner, d'accord? Quant à Paro, il me semble que si elle ne maîtrise pas ses pulsions, il faut l'envoyer à Devdas. Je ne pense pas que l'honneur de notre caste en souffre. Quel manque de tenue de la part de l'épouse d'un propriétaire! Tu n'as pas à intervenir quand tes aînés sont en train de parler! Sumitra! La paix! Tes paroles dépassent les limites de ce que mon honneur peut endurer. Tu étais comme ma sœur jusqu'ici. Désormais, tu ne seras plus que Kaushalya. Et pourtant, Kaushalya, toi aussi, tu avais chanté quand ma fille est née, tu te souviens? Vous vous souvenez, grand-mère? Elle m'a arraché Paro des bras en disant « C'est ma fille, Sumitra !» Et moi, je lui avais répondu oui en riant. À l'époque, je ne me doutais en rien que même cette dame d'une grande maison, de grands propriétaires, avait si peu de cœur qu'elle prenait soin de compter les goyaves volés dans son jardin. Dis-moi voir, t'as tenu une comptabilité? Combien Paro en a-t-elle volé? Combien? Elle a volé des goyaves. À ce compte-là, j'ai nourri pour ma part plus souvent ton fils Devdas que ma fille n'a volé dans son enfance de goyaves dans ton jardin. Ma fille, une voleuse de rang inférieur. Oui, nous vendons nos filles. Oui, ça fait partie de nos usages. Mais vous aussi, vous faites des affaires, Kaushalya. Nous, nos filles, nous les donnons ouvertement contre de l'argent. Vous, c'est la fille et la dot que vous prenez. C'est au son qu'elle fait en tombant qu'on sait si une pièce est vraie ou fausse. Mais ça, jamais tu ne pourras arriver à le comprendre. Car tu es bien trop sourde, Kaushalya, pour pouvoir entendre ce que dit le cœur de ton fils. Et trop aveugle aussi, pour voir l'amour qu'il y a entre deux. Et bientôt, tu seras aussi frappée de stupeur quand ton propre fils tombera dans la déchéance. Sur la tête de ma fille, je jure que si dans 7 jours à compter d'aujourd'hui, dans 7 jours, je n'ai toujours pas réussi à marier ma fille dans une famille d'un rang qui soit supérieur au vôtre, vous pourrez alors venir pleurer ma mort ou bien vous en réjouir. Je venais te souhaiter d'avoir un fils qui soit pareil à l'astre lunaire. Mais à présent, je te souhaite d'avoir une fille pareille à l'éclat de la lune. Une fille naîtra dans cette maison. J'ai entendu dire que ta mère avait arrangé ton mariage dans une famille très riche. Tu connais le nom de ton futur mari? Devdas. Tu crois qu'après tout ce qui s'est passé, Devdas va quand même t'épouser? Je lui demanderai s'il le faut. Ta mère a déjà demandé à sa famille. Ça ne te suffit pas? Elle s'est fait insulter en plus. Ce n'est pas Devdas qui l'a insultée. Tu comptes aller lui demander de t'épouser? Tu oserais lui demander? Il n'y a aucune honte à demander ce qui te revient. Tu te mets du vermillon comme toutes les femmes mariées. Pourtant, tu ignores ce que représente un mari. Qui est là? C'est moi. Mmh.
Est-ce que ça va? Sortir ainsi en pleine nuit. T'as pas eu peur? Maintenant, je n'ai plus peur de personne ni de rien. Même pas de la calomnie? Non. Quand je suis auprès de toi, je ne crains pas non plus qu'on me calomnie. Et pourquoi venir à cette heure? Pourquoi un fleuve se jette-t-il dans la mer? Et le tournesol se tourne-t-il vers le soleil? Et cette paro, pourquoi, malgré sa fierté et l'honneur de sa famille, s'aventure-t-elle dehors en pleine nuit? Et pourquoi vient-elle se réfugier au pied de son Dev? À toutes ces questions, il n'y a qu'une réponse, Dev. Peut-être qu'il n'y a qu'une réponse. Mais il y a trop de questions. Tant qu'on est unis, il n'y a pas de questions. C'est justement ce qu'ils ne veulent pas. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Que tu sois heureuse. Mais mon père, hélas, ne voit pas les choses tout à fait ainsi. Nous le convaincrons. Et s'il refuse de céder? Il n'y a pas de place pour le doute là où il y a de l'amour. Et il n'y a pas de fumée sans feu non plus, Paro. Je ne veux pas qu'on soit sacrifié dans le feu qui embrase nos deux familles. Je ne le veux pas, Paro. De toute manière, je suis condamnée, avec ou sans toi. Il est temps que je te raccompagne chez toi. Tu me ramènes? Malgré ce que l'on risque de dire. Même un chien ne revient pas une deuxième fois vers la main qui l'a frappé. Ce que tu n'as pu obtenir le jour, tu tentes de l'avoir à la faveur de la nuit. Pourquoi ta mère et toi, vous n'ouvrez donc pas un bordel? Un maquereau lui-même ne parlerait pas d'une façon aussi grossière à sa propre fille. Dave! Paro. Jour après jour, je t'ai vu te consumer pour Devdas en même temps que cette lampe. Ce que tu veux, Paro, est tellement cher à mes yeux que même si tu m'avais demandé d'aller voir Devdas, j'y aurais consenti, quitte à ce que ma fille devienne la putain d'une nuit. Je voulais juste lui demander. Et quelle a été sa réponse, Paro? Eh bien, tu n'es pas allé là-bas seule, Paro. C'est en emportant l'honneur de ta famille avec toi que tu es allé chez eux. Toi, tu es revenu. Mais l'honneur, tu l'as laissé là-bas. Ne vous tourmentez donc pas, père. À quoi bon se faire une montagne de rien du tout? Au fait, que fait-on du châle qu'elle a laissé? Dis à Devdas d'aller le lui rendre. Cette union n'est pas possible. C'est hors de question. Don't forget yourself, Dev. Tu es en train d'oublier à qui tu t'adresses, mon garçon. Un propriétaire caractériel, prêt à envoyer la fille d'un autre. Travailler dans un bordel. Les filles de bonne famille, au cas où tu l'ignorerais, ne viennent pas rendre visite ainsi au fils de leur voisin à 2h du matin. Elle est venue me voir parce qu'elle m'aime. Et parce que vous l'y avez contrainte. Ça suffit! Je refuse d'en entendre davantage. Et moi de parler avec vous. Parfait! L'affaire est classée. Case is dismissed. I object. Don't you realize? Notre famille est d'un rang très supérieur au leur. I object. Nous mangeons la même nourriture. Notre statut, notre rang social sont si élevés que même le gouvernement anglais a entendu parler de notre famille. I object. Ne foulez-vous pas la même terre? Entre l'oiseau qui vole dans les airs et le poisson qui nage dans l'eau, il ne peut y avoir aucune espèce de lien. L'être humain, bien qu'il vive sur terre, établit pourtant des liens avec Dieu dans les cieux. How dare you? Chut! I said I object. Attends, Dave. Attends, ne pars pas, Dave. Tout va s'arranger. Je vais parler à père, Dave. Mais ne quitte pas la maison! Non, Dujdas. Arrête de faire l'enfant, Dev!
Ce n'est pas si grave après tout. Peut-être que ce n'est pas grave pour père, mais pour moi ça l'est. Et je n'ai aucune envie de passer ma vie à recevoir des ordres. Attends. Écoute-moi. Tu peux pas partir comme ça. Attends. Où iras-tu? Je parlerai à père, Dave. Laisse-moi. Arrête le Kumut. Dave, s'il te plaît. Non, Dave, vous n'irez nulle part. Madame est en train de parler à votre père. Tout va s'arranger. Non, Daramda. Mieux vaut laisser passer la tempête. Si je reste, ça va faire beaucoup de dégâts. Non, attendez, Dave. Madame, Dave s'en va. Dave s'en va, Paro. Voici venue pour vous l'heure de vérité. Tu vas voir maintenant s'il se préoccupe plus de sa famille ou de celle qu'il aime, et s'il va t'emmener avec lui ou s'en aller sans toi. Et s'il t'abandonne, ma fille, tu devras suivre mes ordres. Arrêtez, Dave. Je ne vous laisserai pas partir. Arrêtez. Non, descendez non, là. Ne pars pas, Dave. Dave, Dave, Dave. Cette nuit-là, c'était comme si je n'avais plus la force de penser. Comme si je me trouvais entre les deux plateaux de la balance. Je veux ton bonheur. Mais tu ne voudrais pas, sans doute, que je fasse de la peine à mon père pour te rendre heureuse. Pourquoi le fleuve se jette-t-il dans la mer? Pourquoi le tournesol se tourne-t-il vers le soleil? Au lieu de chercher une réponse à ces questions, pourquoi ne pas oublier qu'on les a posées? Considère qu'entre nous, il n'y a jamais eu d'amour. Que tout cela, finalement, n'était qu'enfantillage. Désormais, tu ne seras plus pour moi que la fille des voisins. Et moi, ton ami, Dave. Paro, dépêche-toi de te préparer et de descendre. Tes beaux-parents sont arrivés. Pourquoi m'as-tu mis dans cet état, mon amour ? Pourquoi as-tu éteint la flamme? Hé, Dave, t'es pas encore couché, t'es pas bien là. Tu te sens mal chez moi, c'est ça, Dave? Non, ce n'est pas ça du tout, Chuni. Je n'ai pas envie de dormir. Oh, bois un coup. Vas-y. Vous savez très bien que je ne bois pas. Qu'est-ce qui ne va pas alors, Dave? Tu devrais être serein avec un grand S et tu restes silencieux avec un grand S. Tes soucis sont-ils donc devenus si lourds que tu ne puisses te sentir bien chez moi? Mais non, ce n'est pas ça. Tu viens de te brouiller avec tes parents? Non. À moins qu'il ne s'agisse d'un chagrin d'amour. J'ai raison? Mais oui, bien sûr! Tu sais que souffrance et sentiment commencent tous deux par un S et sont très proches, réellement très proches. Vous n'avez jamais souffert. Ce que je donne à voir aux gens, c'est un visage sourire. Et pourtant, Dave, je n'ai pour toute famille que moi et ma fortune. Alors j'ai décidé d'adopter la musique. Le Tumri est ma fille et le Dadra est mon fils. Dadra, oui. Et celui-là est un drôle de rigolo. Il recèle tout à la fois de la douceur et de la douleur, mais aussi le monde de l'au-delà en tant qu'opposé de la débauche et de la dépense. Ainsi que les mots devoir, mais également démence. Et maintenant, abandonnons toutes ces folies et allons-nous-en tous les deux loin, très loin, dans cette maison je suffoque. Dites-moi, Chuni, où irons-nous? Où tu voudras, Dave. Là où vous allez toutes les nuits. Oh, là où les filles font teinter les grelots qu'elles ont aux chevilles. Où sommes-nous, Chuni? Où m'avez-vous emmené? Cet endroit, Devdas, s'appelle le Palais des Plaisirs. On dirait plutôt un mouroir. Chacun y voit ce qu'il veut, mon ami. C'est un puits de tristesse ou un réservoir de joie. Et c'est aussi le seul et unique endroit où il fait jour, même en pleine nuit. Comment ça va, mesdames? Regardez qui j'amène dans votre belle demeure. Oui, qui nous amenez-vous? Un bon ami. Nous avons fait nos études ensemble à Londres. Et qu'est-ce que tu fais, Dave? Tu te caches?
Viens que je te présente à ma cour, Dave. Je t'en prie, entre. Entre, mon ami. Chandramukhi. Votre miroir n'a pas supporté mon visage. J'en suis navré. On dit que chaque malheur est un présage de bonheur. Et que chaque perte annonce un futur gain. Bravo, Chandramukhi. Magnifique que ce soit. Vos paroles comme vos danses sont toutes en arabesque. Bravo, bravissimo. Surtout, veillez bien à mettre du kohl à cause de... du mauvais œil, vous savez. Je vois que ça vous amuse. Oui. Vous cherchez à éviter le mauvais œil. Alors que les femmes sur la place du marché s'appliquent du kohl pour attirer le regard. En évoquant le regard, vous avez ravi mon cœur. Je vous prenais pour une statue. Et je découvre que vous avez un cœur. Tu vois, Dave, ne t'avais-je pas prévenu avant de venir que Chandramukhi était réellement charmante? Quitte-elle Chandra et Chuni commence par la lettre C. Tu as vu, Devdas, comment elle tente avec sa lettre C de me plonger dans la confusion, cette petite coquine. Chal mat wari चक मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई सर से मोरी चुनरी गई सरक 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 But
भरी मटकी ददकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच आहट सुन आहट सुन आहट सुन जियरा गयो धड़क 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 काहे छेड़ 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 मोहे Comme ça, mon ami. La soirée vient tout juste de commencer. Et tu veux déjà quitter les lieux. Je viens de faire une terrible bêtise. Jamais je n'aurais dû écrire cette lettre à Paro. Il me faut retourner la voir. Mais enfin, qui est cette Paro? Attends-moi, je t'accompagne, Dev. Ce n'est pas très courtois de s'en aller en plein spectacle. Certes, mais danser devant un public d'hommes est indigne. Vous êtes une femme, Chandramukhi. Comprenez ce que cela veut dire. Une femme est une mère ou encore une sœur, une épouse ou une amie. Si elle n'est rien de tout cela, c'est une putain. Vous pourriez être quelqu'un d'autre, Chandramukhi. Voilà pour le temps qu'on a passé ensemble. Prenez-le. Hé, hey, l'ami! Attends-moi, hé! Hey. Hé, hey, vous avez vu? Je lui demande de m'attendre et le voilà qui s'en va. À quoi rêves-tu donc? Il y a dans son regard une telle angoisse. Est-ce que par hasard, son regard angoissé t'inquiéterait, Chandramukhi? Croyez-vous qu'une putain soit sans cœur? Et qu'elle ne puisse pas, comme tout un chacun, éprouver de l'amour? Bien sûr que si, voyons! Et s'il y a de l'amour, il doit y avoir un amant. Vous voulez me rendre un service? Lequel? Ramenez-le nous, juste une dernière fois. Je ne te promets rien. Mais je vais essayer. Rien que pour toi. Regarde-la, Manorama. Aujourd'hui, elle est aussi éblouissante que la lune elle-même. Si Devdas revenait ici, il verrait à quoi il a renoncé. Paro a vraiment énormément de chance. Un cortège nuptial magnifique. Que veux-tu de plus? Où l'avez-vous vu, tante Soumitra? Vous ignorez donc que la mère de la mariée ne doit pas voir le cortège? De peur que cela ne porte malheur à sa fille, je sais. Dès ce soir, ma toute belle, on ne t'appellera plus Paro, mais Parvati. Juste Parvati. Excusez-moi. Paro est là. Le cortège va arriver. Va la voir. Laissons-les, Manorama. Me revoilà, Paro. Je suis revenu. Pourquoi? Parce que je veux que nous restions ensemble pour la vie. C'est maintenant que tu viens me dire ça, hein? Quoi? Non, Paro. Il n'est pas trop tard, je parviendrai à convaincre mes parents, quoi qu'il arrive. Oui, quoi qu'il arrive. Tes parents à toi, Dev? Et les miens, alors? Tes parents auraient le sens de l'honneur? Et pas les miens, Dev?
Tes parents sont propriétaires et les miens, ils ne sont rien. Nous sommes peut-être d'un rang inférieur au vôtre, nous qui vendons nos filles. Mais jamais nous ne trahissons qui que ce soit. Je ne t'ai pas trahi, Paro. Pourquoi t'es-tu enfui sans moi, dans ce cas? Et la lettre? Paro, tu connais ton Dev. Tu sais bien qu'il agit toujours sans réfléchir. Je me suis laissé aller. Laissé aller? Quand cela t'amuse de le faire, Dev, tu viens m'offrir un bracelet. Tu m'écris ensuite qu'entre nous, il n'y a pas d'amour. Laissé aller? Et tu viens aujourd'hui me dire que tu veux vivre à... Le moment est venu pour moi d'y aller. Je refuse ce mariage. Quelle importance, puisque moi je l'accepte. Et si c'est comme ça, je m'en vais dire à tout le monde que je... Quoi? Que je suis venue te voir toute seule à 2h du matin, c'est ça? Tu veux salir mon nom? Moi, faire une chose pareille? Moi? Comment peux-tu penser ça? Et si tu répètes ce que tu viens de dire, tu feras quoi? Tu me battras? Tu penses avoir des droits sur moi depuis l'enfance? Seulement quand je réclame les miens, tu te défiles. Ça suffit. Ça suffit, Paro. Tu es trop vaniteuse. Pourquoi ne le serais-je pas? Au fond, qu'est-ce que tu es, toi, Devdas? À part beau et riche? Je possède la beauté et bien des qualités. Et dès demain, je serai riche aussi. Nous serons alors à égalité, toi et moi. Tu es peut-être propriétaire, Dev, mais bientôt je serai une aristocrate. Quelle vanité. Une vanité que même la lune n'a pas. Pourquoi serait-elle vaniteuse? Elle a des marques sur sa face. Qu'as-tu fait là, Dev? Je t'ai fait une marque semblable à celle de la lune. Ce sera la marque de notre amour, Paro.
कुछ भी नहीं 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 कुछ भी नहीं हमेशा तुमको चाहा और चाहा 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 Laissez-le. Le feu s'éteindra tout seul. Mais enfin, on ne peut pas. Kaushalya ! C'est de tout le monde que le temps se joue sur cette terre. À présent, ma fille marche sur de l'or. Mais regarde ! Regarde ton fils, il a mis le feu à ta fierté. Cette pièce se joue en deux actes, Kaushalya. Paro et moi, dans le premier acte, nous avons dansé. Mais dans le deuxième acte, c'est ton fils et toi qui allez danser. Maria a-t-elle l'air si abattue? Elle est triste d'avoir dormi seule cette nuit. N'empêche que c'est de très mauvais augure, hein, ce qu'on dit. Dès ce soir, les époux dormiront dans la même chambre. Qu'avez-vous toute à la tourmenter ainsi? Ne bouge pas, Parvati, reste assise. Sais-tu que ce qui manquait cruellement à cette maison, c'est une beauté qui nous rappelle la lune. Et tu viens combler ce manque. Tu es maintenant la maîtresse ici. Et la mère de trois beaux enfants. Bhuvan a eu d'un premier lit trois enfants.
Lui, c'est mon grand garçon, Mahendra. Mes respects, mère. Elle, c'est ma petite Kalika, la cadette. Mes respects, mère. Quant à Yashomati, elle est l'aînée des deux autres. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle nous fait la tête. Alors il va falloir que tu la rassures. Quant à vous, les filles, je veux que vous apprêtiez joliment la mariée. Leur nuit de noces, ce sera cette nuit. Vous avez fait le tour de la maison? Oui. Je peux vous promettre, Parvati, que dans cette demeure, vous n'aurez jamais le moindre souci. Sauf un. Vous allez trouver le temps très long. Je trouve qu'il passe vite, au contraire. Comment cela? Il y a peu, je n'étais encore qu'une jeune mariée dans cette maison. Et en un rien de temps, me voilà mère. Je suis passée du statut de jeune mariée à celui de mère en seulement quelques instants. Je voulais vous dire, ce mariage, c'est ma mère qui l'a voulu. Les enfants avaient besoin d'une mère et cette maison d'une femme. Et vous? Oui. Voici Subhadra, ma première épouse. Vous êtes désormais une aristocrate, la mère de mes enfants et ma nouvelle épouse. Mais je ne pourrai jamais oublier Subhadra. Pour notre nuit de noces, nous dormirons donc séparés. Il en sera ainsi à tout jamais. Appelez cela comme vous voudrez, une faute ou même un péché. Mais je vous demande de me pardonner. Good morning, l'ami. Good morning. Tu sais que tu as beaucoup de chance. Moi, je bois pour essayer de m'étourdir, Dave. Alors que toi, tu ne bois pas une goutte d'alcool et t'as la gueule de bois. Au fait, tu ne m'as pas tout dit. Tu me prends pour un étranger. Il y a pour toi bien de l'amour derrière le nom de Paro. Dans ton ivresse, tu as dévoilé tous tes secrets. Oui, tous. Chuni, qui m'a conduit jusqu'ici? Je trouve tout à fait fâcheux d'avoir été ramassé dans la rue par une prostituée. Aïe! Quel ingrat, vous avez vu ça un peu? Je lui donne de l'amour et tout ce qu'il fait, c'est de me mordre en retour. Elle a raison! Cette malheureuse t'a secouru par simple humanité. T'étais malade, Dave, et elle t'a ramassé dans la rue. Tu reprends conscience 2 jours plus tard. Mais elle n'a pas dormi. Elle s'est occupée de toi tandis que tu appelais Paro, Paro, sans arrêt. Et au lieu de lui en être reconnaissant, que fais-tu? Tu l'insultes. Laissez tomber. Tous les propriétaires agissent ainsi. Je ne me formalise pas de ces petits riens. Vous nous aviez quittés pour ne plus jamais revenir. Mais le destin a parlé. Tenez, votre remède. Il faut que vous le preniez tout de suite. Je n'en veux pas de ton remède. J'aurais préféré rester dans la rue. Dans ce cas, il suffit de reperdre conscience et je vous déposerai là où je vous ai trouvé. N'est-ce pas, Chuni? C'est quoi? Chuni dit que tu as passé 2 nuits ici. Les lampes du bordel sont donc restées éteintes. C'est pour te dédommager des 2 nuits que tu as perdues avec moi. Je sais maintenant pourquoi Paro a préféré en épouser un autre, même sans parler d'amour. Vous ne méritez même pas de la pitié. Tu entends ça, Chuni? Une courtisane qui parle d'amour. Elle va bientôt nous dire ce qu'est l'amour, ou qui sait, l'affection, ou la passion. L'affection est le reflet de l'âme. L'amour est dévotion à Dieu, et la passion, le but de la vie. Malheureusement, Chuni, votre compagnon, ne possède rien de tout cela. Ni âme, ni dévotion, ni but. Cet argent que vous exhibez et brandissez sans arrêt, Devdas, il reste au pied des filles dans les bordels. Puisque vous vous sentez si supérieur à tout le monde, remboursez-moi donc ce que j'ai dépensé pour vous. 2 nuits. Vous me devez 2 nuits et je compte sur vous pour me les rendre. Tant que vous ne serez pas revenu, je refuserai de danser. Ses yeux resteront à vous attendre.
Elle était venue se lier d'amitié avec toi et tu te comportes en ennemi. À présent, Dave, tu as envers elle une dette de 2 nuits. Russia. Les instruments ont donné le ton. Laisse glisser ton voile. Que la fête puisse enfin commencer. Les spectateurs s'impatientent, Chandra Mukhi. Je ne danserai pas. Je n'accepterai de danser que lorsque Dev sera là. Ils sont en or pur, fait sur commande à Lucknow. Il y a aussi un anneau de nez en or avec ses grelots. Je veux te les attacher moi-même aux chevilles. Mais tu vas mettre l'anneau, que je puisse l'enlever. Je vous engage à réfréner rapidement vos ardeurs, monsieur. Les flammes qui illuminent cette soirée risquent de brûler si on les approche trop. À la prochaine insolence, c'est à vous que je ferai porter un anneau de nez, que d'autres clients se plairont à retirer. Bravo. C'est ce genre de coup d'éclat qui m'attire vers toi, dans ce lieu pourtant rempli d'autres beautés. Mais celui que tu es en train d'attendre ne s'intéresse pas plus à toi qu'à ta musique. L'amoureux de Paro, l'amoureux transi qui était venu se jeter dans tes filets en appelant « Paro, Paro !» Il ne reviendra plus. Plus jamais, Chandra Mukhi. Il reviendra. Il reviendra, j'en suis sûre. Il reviendra, vous verrez. Mon cœur en a la certitude. Et si on pariait sur cette certitude? S'il n'arrive pas avant la fin de cette bougie, tu attacheras à tes pieds ses grelots et tu danseras. Pour mon seul plaisir. J'accepte. Mais s'il arrive avant, vous devrez vous en aller d'ici, aussitôt, avec les grelots aux chevilles. J'accepte.
Vous n'avez pas l'habitude de boire. Pourquoi buvez-vous ainsi au-delà de vos limites? Quel idiot ne boirait pas au-delà de ses limites? Je bois pour me forcer à rester ici. À te regarder. Pour pouvoir te supporter. Pour perdre la raison. Pour oublier Paro. Mais vois-tu, Chandramukhi, même son souvenir m'empêche de perdre la raison. Avec tout ce que je bois, pourquoi son souvenir me hante-t-il jour et nuit? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi l'homme est-il si irréfléchi? Et pourquoi se trompe-t-il? Pourquoi? Pourquoi, pour une seule petite erreur, subir une telle punition? Pourquoi? Et nous retrouver si loin l'un de l'autre? L'une s'engage dans la voie du mariage, et l'autre... Moi, ça me tue. Moi, ça me tue. Il est si fou, cet abruti, qu'il délaisse la fleur de lotus pour se tourner vers la fleur en papier. C'est vrai. Oh, oh, misère! Je suis tombé. Il faut voir. Ne me touche surtout pas! Je n'ai que du mépris pour toi. Comment t'as pu en arriver là? Va-t'en. Va-t'en. Et désormais, je ne me présenterai plus devant cette porte, plus jamais. Mais dès que je penserai à Paro, je reviendrai. Et dès que je me sentirai coupable, je reviendrai. Mais où j'irai sinon? C'est ça la sentence que je me suis infligée. Pourquoi vous punir ainsi? Chaque jour, c'est mon cœur qu'on juge et qu'on met à l'épreuve. Ouais. Milord! 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 Mais... chaque jour, c'est la même affaire d'amour qu'on juge. I object. I... Et chaque jour, le même verdict est prononcé. Son of Narayan Mukherjee. I object. Objection rejetée. You, Devdas Mukherjee. I object. Objection rejetée. Vous êtes coupable. You are guilty and you will drink till death. Yes, Milord. No objection, Milord. No. No. No.
décidément notre Parvati sait y faire. Elle contrôle désormais toutes les affaires de la maison. Depuis qu'elle est là, elle m'a déchargée de tous mes soucis. Grâce à Parvati, nous avons retrouvé notre joie de vivre. Viens que je vous présente. Voici la belle-mère de Yashomati et voici Parvati. Bonjour. À côté de votre mari, vous avez moins l'air d'une épouse que de sa fille. Quoi que je puisse être à ses yeux, je suis pour vous une belle-sœur. Nous devrions donc nous embrasser. Mais puisque vous êtes mon aînée de plusieurs années... Ma chère, à ce que je vois en tout cas, à Manikpur, on donne plus de bijoux aux épouses qu'aux filles. N'est-ce pas, mère? Et on espère, lorsqu'on marie nos filles, que leur belle famille les traitera avec égard. Mais on est souvent déçus. N'est-ce pas, mère? Yashomati, comme je suis heureuse de te rencontrer. Évitons de nous fâcher entre parentes, tu veux? D'autant qu'on doit avoir le même âge. Dis-moi, quel genre de relation veux-tu qu'on ait? Mère-fille ou amicale? Mère... Mais qu'est-ce que c'est, mère? Un présent, ma fille. Un présent que t'offre ta mère. Ils vont t'aller à ravir. Parvati, tu comptes rester là à parler avec ta belle-fille au lieu de nous tenir compagnie? Je n'apprécie guère les vapeurs du narguilé. Il s'agit d'un plaisir de choix chez les propriétaires. Quel plaisir y a-t-il à voir ainsi quelque chose partir en fumée? Bravo, chère belle-mère. Vos paroles me comblent de joie. J'avais hâte de vous rencontrer. Vous n'étiez pas à mon mariage, ni moi au vôtre. Mes hommages. Vous toucher les pieds fut un plaisir. Mon vœu a été exaucé. J'aurais moi aussi aimé assister à votre mariage et réaliser mon souhait de vous tirer l'oreille, cher beau-fils. Ce fut un vrai plaisir de vous tirer l'oreille. Jamais je n'oublierai cette première rencontre. N'oubliez jamais quels sont nos liens. Devdas? Devdas? Qui est-il? Devdas? Qu'est-ce qui me vaut un tel mépris? Je ne peux même pas vous toucher. Si vous ne me supportez pas, pourquoi êtes-vous entré dans ma vie et me faites-vous ainsi souffrir? J'étais bien toute seule, ange du malheur. Pourquoi? Chandramukhi? Ça y est, votre toux s'est arrêtée. Une diversion est dit-on excellente pour guérir certaines blessures. C'est ce que je fais. Vous avez assez bu. Maintenant, ça suffit. Tu aurais dû dire que j'ai assez vécu. Comment le pourrais-je? Vous, vous avez Paro et son souvenir. Moi, je n'ai que vous, ma pierre de touche. Au contact de laquelle tout devient or. Et qui ça valorise le plus? Toi ou moi? Quelle valeur a une femme de petite vertu? Pas la moindre. Et en plus, je n'ai même pas le droit de vous toucher. Est-ce que tu m'aimes? Autant me demander... Est-ce que tu respires, Chandramukhi? Alors, est-ce que tu respires, Chandramukhi? Qu'espères-tu? Je n'ai à t'offrir ni maison, ni cœur. Aimer, ce n'est pas seulement recevoir, il me semble. J'ai très souvent fait commerce de l'amour, mais je n'ai aimé qu'une seule fois. Chandramukhi, si l'on verse du vin dans un verre qui est déjà plein, qu'est-ce qui va arriver? Il débordera, bien sûr. Je suis moi aussi plein du nom de Paro et Devdas est comme ce verre. Il déborde déjà. Et il finira par t'entraîner avec lui dans sa chute. Mais en débordant du verre, le vin aura été comme caressé par le verre. Alors viens, coule encore.
appelez Devdas. Appelez-le, je veux lui parler. Pour l'instant, il dort. Il ne peut vous parler. C'est ce que nous verrons. Je suis venu le chercher. Le sortir de cet enfer. Dharamda. Maître. Qui t'a fourni cette adresse? Monsieur Chuni. Votre père, maître. Mon père ne veut plus voir son fils, Dev. Pourquoi t'envoie-t-il? Le pauvre, s'il me voyait dans cet état, il serait véritablement affligé. Ma sœur Narayan se verrait contraint de baisser les yeux. Et de honte. Dégage. Va-t'en, Dharamda. Enfin, vous allez m'écouter, maître. Non. Votre père vient de mourir, c'est ce que je venais vous dire. C'est bien triste. Il est parti d'un coup, comme ça. Curieux. C'était pourtant un type bien. Il y a peu de gens aussi bien que lui. Oui, he was a good man. Oui, oui, c'est vrai. Il a même obtenu encore une ultime. Une ultime distinction. Le regretté Sir Narayan Mukherjee, au fond, s'aimait beaucoup. C'est moche, non? Vraiment moche, hein, les amis. Hein, que c'est. Feu, Sir Mukherjee. Était un type. Dis-moi, Dharamda, Devdas boit-il tous les jours? Quand ne boit-il pas, vous voulez dire? Il boit du matin au soir, il se nourrit d'alcool. Tu n'as pas pu au moins essayer de l'en empêcher? Je l'aurais fait s'il avait été là, mais il n'est quasiment jamais là. Il passe ses journées à Chitpur dans le bordel de cette Chandramukhi. La chambre du haut est devenue, pour ainsi dire, la maison de Dev. Devdas? Devdas vit dans un bordel? Oh, Durga, Durga. Dire que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui pour voir ça. Tu l'as vu, cette Chandramukhi? Hein? Oui, je l'ai vu quand je suis allé chercher Dev. Comment est-elle? Ne dit-on pas que tromperie a beau visage? C'est une célèbre courtisane de la ville. Elle doit user de ses charmes et Devdas en abuser. Vous devez sortir Devdas de cet enfer, Paro. Moi, je ne peux rien lui dire alors que vous... Il vous écoutera si vous allez lui parler. Il a beaucoup d'estime pour vous, il ne vous refusera rien. Mais dites-le lui, vous... Vous seul pouvez l'arrêter, Paro. Dharamda. Vous seul pouvez le convaincre de cesser de Dharamda, boire. Dharamda, reprends-toi, voyons. Vous seul pouvez y arriver. Vous irez le voir, Paro. Dites que vous irez le voir. Paro. Tu veux avoir mauvaise réputation? Avec une mauvaise réputation, nous aurions pu finir par vivre ensemble. Tu as trouvé le bonheur? Je vis dans un tout autre monde, en fait. Une grande maison, de grands domaines, de grandes responsabilités, de grands discours. Ah bon, de grands discours. T'as beaucoup mûri à ce que je vois. Et maintenant, t'as l'air d'une vraie aristocrate. Une grande marque sur le front, de beaux et grands yeux. Et beaucoup de grands rêves qui passent dans ses yeux. Une grande maison, de grandes responsabilités. Et même de grands enfants aussi. Paro. Paro, Paro. Hé.
Tu sais, je peux regarder ses grands yeux. Mais ce que je ne supporte pas, c'est d'y voir de grandes larmes. T'as bien fait de venir. J'ai quelques affaires t'appartenant à te rendre. Qui sait? Je ne reviendrai peut-être plus. Viens, Baron. Reste là, juste là. Regarde, Paro. T'as vu? C'était à toi. Hmm? Tu te souviens? Tu criais. Hé hey, oh, Devdas! Oh! Qu'y a-t-il, Paro? J'ai perdu un bracelet de cheville. Tu ne l'aurais pas? Non, je ne l'ai pas. C'est moi qui l'avais planqué. Ce qui est drôle, c'est que tu le savais et que tu savais pour quelle raison. Toute la journée, j'entendais son tintement et des Devdas par-ci, Devdas par-là, Devdas, Devdas. Tiens, et voilà ton pot à eau. Hein? Et voici le souvenir de notre amour et de notre séparation. Tu es parti et ce fut la fin de notre histoire. Et pourtant, je me sens toujours attaché à ce truc, à ça. Moi aussi, je suis attaché au souvenir de toi. C'est quoi? Juste quelques pièces. 3 roupies. Leur seule valeur est d'être un souvenir. Il est à moi, cet argent. Voleuse. Voleuse. Je vais les reprendre dès aujourd'hui. Avec les intérêts, bien sûr. À quel pourcentage? Eh bien, 2%. Ce qui, en un mois, nous fait 6 pesetas. En un an, 72. Et en 13... 13 ans, par an. 9 roupies, 36 pesetas. T'es devenu fort en calcul. À force de voir le temps passer. Parlons d'autre chose, tu veux? Si on disait que tu es le prêtre et que tu cherches une épouse pour Dev, il paraît que les filles de Manikpur sont très bien. Oui, c'est vrai. Mais tu veux une jolie fille, non? Pas une jolie fille, non. Une fille comme toi, ça ira. Une fille qui soit aimable? Non, j'en veux une qui soit méchante, que je puisse me disputer avec elle. Non, je te l'ai dit, j'en veux une comme toi. Il y en a des milliers comme moi. Oh là là, je n'en veux pas des milliers, j'en supporterai juste une, ça suffira largement. Arrête de boire, Dev. Non, pardon. S'il te plaît, Dev. Non. Essaie au moins. Non. Je sais que tu le peux. Dev, jure-moi que t'arrêtes de boire aujourd'hui. Jure-moi qu'aujourd'hui même, tu vas m'oublier. Il se fait tard, Paro. Dev, tant que tu ne me l'auras pas juré, je resterai. Je ne peux rien te jurer. Si, tu le peux. Avec de la volonté, on peut tout, Dev. Dans ce cas, tu veux t'enfuir avec moi cette nuit? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux t'enfuir avec moi cette nuit? Écoute, plus personne n'est là pour s'occuper de toi, Dev. Mets ta main dans la mienne et mon plus grand rêve, et cela depuis toute petite, a été de pouvoir te servir. Il n'y a pas de doute. Vas-tu me laisser enfin réaliser le rêve le plus cher de ma vie? Donne-la moi, Paro. Viens chez moi, Dev. Viens, je te soignerai. Je ne peux plus, je ne peux plus te voir dans cet état. Quand je te vois, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Si me servir de te rendre heureuse, alors soit. Je te promets qu'avant de mourir, je te promets de venir sans faute devant ta porte. Jure-le. Pose ta main et jure-le. Ta mère jette l'argent par les fenêtres. Si elle n'arrête pas d'exercer la charité à tout bout de champ, les coffres seront bientôt vides. Absolument. Tu as tout à fait raison. Mais comment je peux l'empêcher de dilapider l'argent? Non, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être avec ce pauvre crétin? Si tu ne peux rien faire, je me chargerai de tout. Mais comment ça? Que vas-tu faire? Alors c'est toi qui aurais la clé du coffre?
Mes mères les a cherchés partout. Chut. Donne-moi. Kumud. Chut. C'est moi qui ai caché ces clés. Si on te demande où elles sont, tu diras qu'elles ont été égarées. Quoi? Que les clés du coffre ont été égarées. Et que tout l'argent qui était dans le coffre a aussi disparu? La clé et l'argent. Cher beau-frère, bonjour. Vous de si bon matin dans ce bureau. Et avec de l'alcool? La réputation de la famille vous importe donc si peu? Que vont dire les gens? Et que va penser votre mère? Et quand vous avez volé la clé, vous avez songé à ce qu'on dirait? Et à votre belle-mère? C'est l'argent de nos aïeux. Il n'a pas à être dépensé en alcool. Cette clé nous vient de nos aïeux. Elle ne sera pas volée. Écoutez, je vais être franche avec vous. Je n'accepterai de donner cette clé à personne, et sous aucun prétexte. Vous allez rendre cette clé. Aujourd'hui. Et maintenant. Ici même. Et à notre mère. Je ne suis pas aussi faible que vous le croyez. Moi aussi, je viens d'une lignée de propriétaires. Dans ma famille aussi, nous avons de la fortune. Et moi, dans la mienne, la folie est héréditaire. Dev! Qu'est-ce que tu fais, Dev? Tu es d'accord pour dire que c'est la fortune de nos aïeux? Oui, bien sûr. Et que j'ai donc autant de droits que toi sur cet héritage? Oui, je suis d'accord. Mais pourquoi verses-tu de l'alcool? Chut, chut, chut. Je mets le feu à ma part d'héritage. Sauve la tienne. Si tu peux, bien sûr. Dev, demande-moi ce que tu veux. Je suis prêt à te donner n'importe quoi. Pour l'instant, je ne veux que la clé. Vous ne l'aurez jamais. Kumud, donne-lui la clé, sinon il va tout incendier. Laisse-le donc faire. Ces menaces ne m'impressionnent pas. Oh non, c'est pas possible! Il a mis le feu pour de bon, c'est insensé. Vite, il faut appeler donne ta mère. Donne cette clé, Kumud. Non. Donne-lui cette clé, voyons, il est devenu fou. Oh, mais non. Tu perds la tête, donne-la-lui. Qu'est-ce qu'il y a, Kumud? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est lui, mère. Là, la clé. Vous savez, la clé du coffre que vous avez tant cherché. Vous vous souvenez? Eh bien, je l'ai surpris avec. Et il m'a menacé quand je lui ai demandé. Il a dit qu'il ne rendrait jamais la clé du coffre. Et il réclame sa part d'héritage aussi. Sinon, il menace de réduire en cendres tout ce qui est sous ce toit. Mais j'ai bien sûr essayé de lui dire de ne... Tu veux ta part? Voilà tout ce que tu auras dans cette maison. Personne ne t'a jamais compris dans cette famille. Nous sommes tous responsables de ta perte. Avant que les choses ne deviennent pires encore, quitte cette maison. Va-t'en. Père m'a dit quitte le village. On m'a dit de renoncer à Paro, Paro de renoncer à la boisson. Et voilà que vous me dites de quitter cette maison. Un jour, on me dira... quitte ce monde. Je n'ai plus de droit sur aucune part de cette maison. Mais je suis une part de vous. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Pas même vous. Sais-tu ce que tu demandes, ma fille? Le grand rituel à la déesse Durga n'est pas une mince affaire. Il s'agit d'un rituel très ancien. Pour l'accomplir correctement, il convient d'aller recueillir de la terre devant la maison d'une courtisane. Et c'est cette terre qui servira à modeler de statues de Durga. Oui, je sais. Est-ce que tu es prête à aller là où nul ne s'aventure sans risquer le déshonneur? Pourquoi pas, mère? Des humains y vivent bien. N'y a-t-il pas d'air là-bas? N'y a-t-il pas comme partout du soleil dans les ruelles? La pluie ne tombe-t-elle pas dans ces quartiers? La nature ne fait pas de différence, alors pourquoi en faire? Parvati a raison. De plus, c'est ce que Subhadra voulait. Entendu. Faisons ce que veut Parvati. Mais attention, c'est le rituel de Durga.
Soyez sans inquiétude. Je vais charger Mahendra de faire tout ce qui est nécessaire. Devdas ? Devdas vit dans un bordel ? Madame, une dame est là, elle vous demande. Elle voudrait des nouvelles de Monsieur Dev. Ça doit être Paro, alors. Paro ? Comment savez-vous que je suis Parvati ? Devdas me disait souvent, si une femme vient un jour me chercher chez toi, tu peux être sûr que ce sera Paro. Que faites-vous, là ? Je suis en train de rendre hommage, madame, à celle que je ne remplacerai jamais. On m'avait bien dit qu'ici les femmes sont très belles, mais qu'elles maîtrisent et cultivent aussi tous les artifices. Si seulement vous saviez, j'ai moi aussi un cœur. Chandramukhi. Chandramukhi, c'est bien votre nom? Quelquefois, on m'appelle épouse des dieux. Vous êtes célèbre? Je l'étais. Plus maintenant. Pourquoi? J'ai été touchée par la grâce d'un ange, et après j'ai dû apprendre à renoncer. Je trouve surprenant qu'une courtisane puisse renoncer. Je trouve aussi surprenant qu'une aristocrate vienne voir une courtisane. Où est Dev? Moi aussi, je dépéris de ne plus entendre ses pas. Ça fait maintenant 6 mois que je n'ai pas posé mes yeux sur lui. Là, vous mentez. Si vous doutez de ce que je dis, fouillez dans les lieux. Vous pensez que je ne vais pas oser? Vous comptez le retenir encore combien de temps? Tant que dureront sa jeunesse et son argent. Qu'en sera-t-il ensuite de votre soi-disant renoncement? Vous avez dû pas mal escroquer Dev. Je vous donnerai de l'argent. Je ne peux supporter de le voir souffrir plus longtemps. Quel enfer. C'est vraiment étrange. Celle-là même qui a poussé Devdas à la folie. Cette même Paro voudrait à présent l'acheter. Qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Une place dans la société? La possibilité de voir de l'amour dans ses yeux? Une chance de pouvoir le toucher, ne serait-ce qu'une fois? Ces espoirs, ces désirs et ces rêves que Dev a éveillés dans mon cœur, est-ce que vous pouvez les réaliser? Oui ou non? Non, vous ne pouvez les réaliser. Et je ne peux pas vous rendre Devdas. Mais je ne partirai pas sans Devdas. Rien ne pourra m'arrêter. Ni vous, ni les convenances, ni même Devdas. Les courtisanes comme vous ne sont pas destinées à se marier, Chandramukhi. Vous oubliez que les courtisanes n'ont pas de destin. Si vous regardez avec vos yeux, vous n'arriverez pas à le voir. Avec les miens, en revanche, vous trouverez Devdas partout. Regardez, il est là, dans la flamme de cette lampe qui brûle. Il est aussi dans les plis de ses draps, dans ce verre à moitié vide, où repose sa soif inassouvie. Son parfum flotte encore et embaume cette pièce. Gardez donc tout, si vous le pouvez, cette flamme. Et ses plis, et ce parfum. Tout vous appartient. Mais je ne peux rendre Devdas à sa chère Paro. Vous l'aimez donc à ce point? Mon cœur ne respire que pour lui. Je suis rassurée. Je sais qu'il n'est plus seul maintenant. Au fait, j'allais oublier la raison de ma visite. J'accomplis les rites à Durga. Il me faudrait de la terre de votre cour. Puis-je me voir?
Qu'est-ce que c'est? J'étais venue chercher Dev. Mais à la place, je vous confie ceci. Je vous attends pour la Durga Puja. Vous viendrez? Chandramukhi, je suis très heureuse que vous soyez venue. Ça me fait réellement plaisir. C'est très gentil. Comment aurais-je pu refuser? Il fallait que je vienne. Au fait, vous avez vu Devdas? Parvati, qui vient te rendre visite? C'est Chandramukhi. C'est mon amie. Elle vient de Calcutta. Sois bénie, mon enfant. Cette maison est la tienne. Fais comme chez toi. Et toi, Parvati, veille à ce qu'elle reste jusqu'à la fin. Oui, mère. Je ne la laisserai partir qu'après la cérémonie. Non, Parouge, je ne peux pas rester ici. Pourquoi cela? Cela fait si longtemps que je n'ai pas pu parler à quelqu'un à cœur ouvert. Profitons de cette fête. Tâchons d'oublier nos malheurs un moment. Amusons-nous, chantons et dansons toutes les deux. Non! Devdas serait sûrement touchée par notre bonheur. Non, Parouge, je ne peux pas, écoutez. Pas question de dire non. Faites-le pour Dev. Kali, venez, la partie d'échecs n'est pas terminée. Aujourd'hui, c'est une autre partie qui va se jouer. Regardez, la Chandramukhi de Devdas vient voir la Paro de Devdas. Qui est Paro? Ma belle-mère. Parvati, je vais tous les mettre échec et mat d'un seul coup. Paro et Chandramukhi et Bhuban Chaudhry et bien sûr Devdas. Devdas? Eh, Devdas, le jour se lève. Oui, Dharamda. Mais dans mon cœur, il ne fera plus jamais jour. Partons maintenant. Toi et où, Dharamda? J'ai brisé l'un après l'autre tous les liens qui me rattachaient à ce monde. Au fond, il n'y a jamais vraiment eu d'amour entre mon paternel et moi, pas vrai? Si. J'étais sa tempête et lui mon fouet. Ouais. Dodo, enfant dodo, mien. Dodo, enfant dodo. Même dans les berceuses de maman, Twitch Das venait en tête, pas vrai? Si. Je ne m'entendais pas avec mon frère. Mon frère est quelqu'un de pratique. Alors que moi, je ne suis pas du tout pareil. Si. En plus, j'ai voulu me payer la tête de sa femme. Oh. Et pour finir, ça a été moi le dindon de la farce. Et puis, il y a Paro. Que j'aime d'amour. Un amour grand comme ça. Comme ça. D'accord? Paro! Paro aussi, elle s'est éloignée. Comme tous. Enfin, à part... Chandramukhi, elle-même, à la folie. Mais... Prêtre! 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 Devdas, doucement! Ça va, Dharamda, ça va. Salut à vous. Salut à vous. Connaissez-vous les rites funéraires? Bien sûr que pouvez-vous je les accomplir? Mais certainement. Ah ah. Quel est le nom du défunt? Devdas Mukherjee. Que faites-vous? Vous êtes devenu fou? Monsieur Devdas Mukherjee. Vous voulez des funérailles? Organisez mes funérailles. Mais non, ne l'écoutez pas! Il dit n'importe quoi! Le prêtre! Allons! Mais c'est ça, allez-vous-en, abandonnez. Je vous en prie. Devdas. Je vous en prie, reprenez-vous! Ça suffit, Dev! Qu'est-ce qui vous prend tout d'un coup? Revenez! Je vous en prie, Dev, revenez! Prête-moi.
Une célébration haute en couleurs. Une aristocrate et une courtisane qui dansent ensemble, ni plus ni moins. Kali, explique-toi, de quoi parles-tu ? De ce que vous voyez là, grand-mère, de ce que tous ont sous les yeux. De la soi-disant amie de cette aristocrate qui n'est autre qu'une prostituée, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que j'entends là, Parvati ? Pourquoi restes-tu muette ? Eh bien, réponds ! Elle est gênée. Personne n'ignore que les propriétaires ont toujours fréquenté des courtisanes, mais qu'une aristocrate ait des amis dans les bordels, ce n'est pas pensable. Je vous ai mis à nu sans vous toucher, Chandramukhi. Vous aviez commencé le spectacle, je le termine. Détrompez-vous. C'est grâce aux aristocrates qu'il y a de la lumière dans les bordels. Et à cause d'eux qu'il y a des bâtards dans ces maisons. Chandramukhi ! Tout le monde sait cela. C'est un lieu commun. Presque tous les bordels sont animés par l'aristocratie. Il y a des bâtards qui sont nés d'aristocrates de votre espèce, Kali. Ils sont illégitimes à vos yeux, sans doute, mais ils ont du sang bleu, que vous le vouliez ou non. Côtoyer une aristocrate, n'anoblit pas une courtisane. Vous avez raison, grand-mère. Mais où est le mal ? Voilà une aristocrate qui, au lieu de me traiter comme une putain, m'a parlé comme on parle à un être humain, et avec bonté. Pourquoi devrait-elle avoir honte de cela ? C'est lui qui devrait avoir honte. Car lui aussi fréquente les quartiers malfamés. Ceux-là même où ses aïeux ont laissé des traces de leur luxure. Y as-tu songé quelquefois ? As-tu songé que dans ces bordels, tu as peut-être une sœur qui est née ? Et pas qu'une sœur, peut-être même aussi une fille ! C'est avec la terre de la cour d'une prostituée qu'on modèle l'image de Durga. Car c'est une terre qui résiste. La pièce est terminée à présent. Je repars, madame. Je retourne dans mon monde. Peut-être qu'un jour, à la lueur d'une lampe, quelque part dans ces quartiers malfamés, réapparaîtra le visage de Devdas. Adieu. Avant de partir, je tiens à vous présenter mes excuses. Je n'aurais pas dû parler de Chandramukhi devant tout le monde. Ce fut une erreur. Ce qui ne fut pas une erreur, en revanche, c'est de ne parler de vos sentiments pour Devdas qu'à votre époux et à sa mère. Vous avez pris plaisir à me tirer l'oreille, je vais prendre plaisir, moi aussi, à vous humilier. Au revoir. C'est pas Parvati, c'est nous qu'on montrera du doigt. Je pense qu'il faut donc en finir avec toute cette histoire, au plus vite et une bonne fois pour toutes. Vous m'avez appelé ? Oui, Parvati. Je souhaiterais savoir qui est... Qui est Devdas ? Devdas est mon ami d'enfance. Il était le corps dont j'étais l'âme. Il est aussi mon amour et ma fierté et mon compagnon de chaque instant. Te rends-tu compte de ce que tu dis ? Mais oui, je dis la même chose que vous l'autre nuit. Bien sûr, tu es la maîtresse de cette maison, Parvati, et la mère de mes enfants. Mais je n'oublierai jamais Subhadra. Subhadra était mon épouse. Subhadra était votre premier amour. Devdas est le mien. Un premier amour est comme le poids des années. Nul ne peut prétendre l'effacer. Parvati, tu oublies, je crois, que tu es la maîtresse de cette maison. Oui, c'est sans doute ce qui me rend coupable à vos yeux. J'accepterai sans rien dire que vous me punissiez. Sois certaine que tu seras punie, Parvati. Hier encore, les gens devant notre maison inclinaient respectueusement la tête. Aujourd'hui, ils doivent bien s'amuser de nous. Désormais, Parvati, tu ne sortiras plus jamais de cette maison. Jamais. Ça sera ta punition. Tu parles d'être puni, Parvati. C'est nous qui sommes punis. Les lampes qu'on a allumées pour la fête ont mis le feu à la maison. Il faut toujours éteindre la flamme qui menace d'embraser la maison. Qui dit alcool, mes
amis, dit cabaret, plaisir et même mort parfois. Mais sans toi, alcool, la vie serait bien triste. Maintenant que tu es là au rendez-vous, la joie explose. Pourquoi s'inquiéter aujourd'hui des conséquences, mon ami? Trinquons tous ensemble, trinquons tous ensemble et que la joie explose. Pas vrai, mon ami? शीशे से शीशा टकराए बाजे छलके जब ये जाम ओ देखो कैसे आहा 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 ओ देखो कैसे धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धम गाए रे धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धम गाए रे शीशे से शीशा टकराए देखो और देखो
se révéler fatale pour lui. Sa vie peut être menacée à tout moment. Autant que possible, veillez à ce qu'il garde le moral. Seigneur, quel malheur! Mais que faites-vous, Darmdar? Si vous pleurez, vous me ferez aussi pleurer. Et je passerai alors pour une courtisane qui ne sait plus distraire. Nous devons tout faire pour que Dev garde le moral. Et voilà, terminé. Et encore une fois, hein? C'est moi qui ai gagné. Faites voir. Me demande pourquoi on joue avec toi. Tu gagnes tellement que tu nous as toutes plumées. Tu sais que si ça continue, je vais devoir vendre ce bordel. Qu'est-ce que t'as ricané, petite sotte? Allez, file. C'est l'heure de ton remède. Je vais le chercher. Faites servir une coupe aussi. Sinon, ça n'aura aucun effet. La moindre goutte d'alcool pourrait vous être fatale. Tu as rencontré Paro? Tu l'as trouvé comment, ma Paro? Si on devait incarner l'amour, il faudrait qu'il ait le visage et le cœur de Paro. On doit se garder de comparer ces deux yeux, dit-on. Pourtant, je reconnais que je ne peux pas m'en empêcher. L'un est Paro, l'autre Chandramukhi. L'une est fière et rebelle. L'autre est modeste et délicate. Pleine d'inconstance, telle une rivière, elle est menteuse, papillon ou même lune. À vous, Dev. Elle est parfois poème ou musique, ou parfois larmes, ou bien lumière. Tout le monde l'aime, je suppose. Et toi, personne ne t'aime. À part moi. Chandramukhi. Tu représentes le courage et tu te transformes en poupée de cire. Regarde-toi, tu es en train de fondre. Et si tu te mets à fondre, tu vas t'éteindre et nous plonger dans l'obscurité. Tu as fait déjà beaucoup pour moi. Mais accorde-moi une dernière chose. Laisse-moi quitter cet endroit. Et si... Vous ignorez quel mal vous rouge. C'est toi qui sais, mais c'est moi qui souffre. Que voulez-vous dire? Je dois me retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Et si une servante venait avec vous? Je ne supporterai pas de voir ma vie s'éteindre dans ton regard. Je viens d'atteindre le paradis. Quand pourrons-nous nous revoir? Je ne peux pas prédire, bien sûr, ce que décideront pour toi, Chandramukhi, ceux qui jugent du bien et du mal. Mais ce que je sais, c'est que si nous nous retrouvons après notre mort, je ne pourrai pas me passer de toi. Devdas, qu'est-ce que vous avez? Ce que j'ai. Vous vous sentez bien? T'es pas encore parti? Non, je n'allais pas partir et vous laisser tout seul.
Tu crains qu'au prochain arrêt, je ne descende pour boire? Si vous buvez la moindre goutte d'alcool, je suis mort. Oui. Vous étiez brûlant de fièvre, c'est pour ça que je suis resté avec vous. Mais ça suffit, je n'en peux plus de ce voyage. Vous avez déjà trop parlé, j'en ai trop entendu. Dès qu'on s'arrête, on change de train et on va voir votre père. Dès qu'on s'arrête, tu vas me faire le plaisir de retourner dans ton compartiment. Mais enfin, pourquoi vous montrer aussi têtu? Et tu éteindras avant de sortir. Je vais éteindre, mais demain, je vous emmène voir un médecin. Toujours aussi capricieux. Good night, Darm. Good night. Daranda, c'est encore toi. Johnny, ben ça alors. Dave, mon cher ami, comment ça va? C'est parce que la Terre est ronde, sans doute, qu'on est sans arrêt en train de se retrouver et de tomber l'un sur l'autre. Maintenant, raconte. Où étais-tu? Comment ça a été? Allez, comment vas-tu? J'étais ici. Ouais. Et je vais bien. Et c'est tout. Et toi? Comment ça va? En ce qui me concerne, je voyage au gré du vent. Donc je vole et j'erre. Mais toi, ton visage est si pâle. Qu'est-ce qui ne va pas, Dave? Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru m'être trompé un instant. Était-ce bien mon bon vieux Dave, celui qui brillait tel une étoile dans la nuit? Ça va aller, ne t'en fais pas. Bon, mais puisque je suis là, je vais essayer de t'égayer. Ça fait tellement longtemps. Allez, on va faire la fête, hein? Ça n'a rien d'un bordel, mais ce train fera l'affaire. Non, on n'entend pas les grelots, mais le bruit cadencé du train. Chandramukhi n'est pas là, certes, mais ses amants sont là. Allez, à la tienne. Non, non, merci, Chuni, je ne bois plus. Oh, quelqu'un t'aurait-il fait jurer d'arrêter? Non. Alors vas-y, avale. Au nom de notre amitié, allons. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vus. C'est un grand jour. Pourquoi ne pas arroser ça? Qui sait si demain nous serons là? Si même nous nous reverrons, hein? Toi, tu seras là. Moi, je ne sais pas, Johnny. J'ai vécu tout ce que j'avais à vivre dans ce bas monde. Je me contente de sentir les battements de mon cœur. Ah! Que dire à ceux qui contestent leur destin, juste au moment où ils vont rendre l'âme? Génial! Magnifique! Bravo! C'est grandiose! Ça, c'est de la poésie! Si les chagrins d'amour sont de la poésie, alors très bien. Hein? Ce qui fait souffrir, c'est quand quelqu'un dit... Encore! Magnifique! Encore! C'est grandiose! Grandiose! Quel talent! Non, mais quel talent! Qu'est-ce qui se passe? Dave, réponds. Qu'est-ce qui ne va pas, Dave? Qu'est-ce que tu as? De quoi souffres-tu? Tu as mal? Tu te fais soigner? Dave, réponds. Le mal dont je souffre est incurable. Mais pourquoi tu as bu? Alors que tu savais! Je l'ai fait au nom de notre amitié. Notre amitié? Tu m'as encore pris pour un étranger. Pour un étranger? Comment ça, pour un étranger? Personne n'est plus proche de moi. J'ai même appris à parler comme toi. L'aube de la vie, l'ascension, l'amitié, l'apaisement, et à la fin. D'un seul coup, Chuni. Les choses prennent une autre tournure. Tout ce qui te relie à la vie se défait. Non, Dave, non, mon vieux. Ça n'est pas vrai, mon ami. Il y a le soleil, le souffle de la vie, la solidarité entre amis, les saveurs. Mais il n'y a pas la séparation, Dave. Tout a une fin, Chuni, que tu le veuilles ou non. Non. Tu gardes le silence comme si... Je n'étais plus là déjà. Je jure sur notre amitié qu'entre elle et moi, il y a une telle distance que je n'ai déjà plus assez de souffle. Et tu sais, Chuni, il me reste encore des kilomètres à parcourir.
avant d'assouvir ma soif. Ouais. Quand est-ce que j'arrêterai d'avoir soif? Si me servir peut te rendre heureuse, alors soit. Je te promets qu'avant de mourir, je viendrai sans faute devant ta porte. Pose ta main et jure-le. On est arrivé? Mais monsieur, vous venez juste de vous asseoir. Qu'est-ce qui vous prend? Devdas! Mon chéri, viens! Gare! Gare! Tu passes tout ton temps à traîner avec Paro. Tu ne resteras pas un instant de plus dans cette maison. Fiche ce camp! Arrêtez, Dev. Je ne vous laisserai pas partir. Arrêtez! Daronda! Arrête-le! Empêche-le de partir, Devdas! Non, arrête-toi, Devdas! Gaucher, veuillez conduire plus vite. Il me reste très peu de temps. Bien, monsieur! Père m'a dit quitte le village. On m'a dit de renoncer à Paro, Paro de renoncer à la boisson. Et voilà que vous me dites de quitter cette maison. Un jour, on me dira. Quitte ce monde. Ça y est, monsieur. Nous sommes à Manicpour. Je vous ai fait arriver avant le lever du soleil. Eh ? Monsieur ? Eh, réveillez-vous. Monsieur ? À qui vous rendez visite? Paro. Paro. Qui est là? Je suis là, Paro. Barbati. Quelqu'un m'a appelé. Qui pourrait t'appeler à cette heure-ci? Tu as dû rêver. Retourne te coucher. Je l'ai pris à la gare de Pandua. Je sais pas ce qui a pu lui arriver pendant la nuit. Il ne m'a même pas dit chez qui il allait à Manicpour.
Tu peux me dire, Mandira, ce que font tous ces gens dehors? Je ne sais pas, madame. Un étranger est resté allongé là toute la nuit. Il a dû prendre de la terre d'ici dans une vie antérieure. Et le pauvre, il est venu la rendre. Oh. Puisse son âme être bénie. Cet homme n'a aucune chance de s'en sortir, Mahendra. Il est en train de mourir. Parvati. Regardez, monsieur le policier, ces lettres vont peut-être nous renseigner. Ton esprit est ailleurs, Parvati, tu n'es pas concentré. Il est inutile que tu récites tes prières dans ces conditions, tu peux t'en aller. Il doit lui rester une dernière volonté à accomplir. C'est pour ça qu'il ne peut quitter son corps. Le policier nous a donné son identité. C'est un habitant de Talsonapur, à ce qu'il paraît. Talsonapur? Comment il s'appelle? Ça, madame, je ne sais pas. Mais monsieur Mahendra, il sait. Peux-tu l'appeler? Qu'il vienne me voir. Entendu. Je t'ai dit d'appeler Mahendra. Bien, madame. Qu'y a-t-il, mère? Vous vouliez me voir? L'homme qui est dehors. Sais-tu comment il s'appelle? Il s'agit d'un certain Devdas Mukherjee. Quoi? Devdas Mukherjee. Comment le sais-tu? On a trouvé deux lettres sur lui. L'une d'un certain Dwijdas. Oui, c'est le nom de son frère. L'autre d'une Kaushalya. C'est sa mère. Il a un nom tatoué sur le bras. Il l'a fait tatouer à la foire, un jour qu'il pleuvait beaucoup. On a aussi trouvé un collier de perles cassées. Celui avec lequel il... Devdas! Mère! Où allez-vous? On a déjà dû l'emmener. Maître! Mère! Attendez! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Mère! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous, je vous en prie! Arrêtez-vous! Mère! Mère, qu'y a-t-il? Mère! Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tous ces cris? Qu'est-ce qui se passe, Mahendra? Mère veut rejoindre un certain Devdas! Elle est devenue folle! Arrête-la! Parvati! Parvati, arrête-toi! Ne la laissez surtout pas sortir! Devdas! Devdas!
Thank you.